Si tu t'appelles Vanessa, j'aimerais que tu avances aussi. Vanessa. Faites vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Si tu t'appelles Makarabadiama, Vanessa, avance prophète. Avance prophète. Avance prophète. Avance prophète. Avance prophète. Lesto bragalava keria na basse chele ba ate. Leketo. Avance prophète. Kaka nengo zo binela nzambe wana lo lezo fumba. La même manière tu as traversé pour le Seigneur, le ciel s'ouvre pour toi. Makleso zavakiria ma ate velesta. Velesta. Maragale blesto shakate makelia. J'ai entendu dans mon esprit le prénom de Paulin. Combo Paulin. Si tu es là, ou si ton Paulin est ton frère, n'aie pas honte, ne te cache pas. On ne va pas dire ton péché ici. J'ai une bonne nouvelle pour un homme qui s'appelle Paulin. C'est une très bonne nouvelle qui vient du ciel. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui s'appelle Vanessa. J'ai une bonne nouvelle. J'ai entendu une personne. Non, qui on est en train de l'appeler princesse. Princesse. Viens, c'est toi. Viens. Pendant qu'elle vient, on acclame le Seigneur. L'esprit prophétique est dans la maison. Princesse. Yes, prophète. Tiens-toi là, je vais parler. Je ne sais pas si je suis à la JLC ou je suis ailleurs. Avance, prophète. Je ne sais pas si je suis à la JLC ou si je suis ailleurs. Avance, papa. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Acclame Dieu, célèbre Dieu. Mais regardez, il y a Costo Malavé. J'ai vu au-dessus d'une famille. Au-dessus d'une famille, on a écrit Tumba. Tumba. C'est comme si le nom de votre famille, c'est la famille Tumba. Elle est là en train d'avancer, avance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce sont des personnes que Dieu est en train de localiser ce matin. Famille Tumba. Prophesy. Nazalaki nanga ebembe. Zongi selinga, zala nanga nyo solingi, zela la yonga la yeba kite. Nazala kinangaye bebe, zongi selinga, zala nanga nyo solingi, zela la yonga la yeba kite. Attends. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, Vanessa, qu'il a mis son esprit sur toi afin que tu commences à prophétiser. L'Esprit de Dieu m'a amené malaise au Shabaradia. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas que le Saint-Esprit parle. Avance, prophète. Ce que Dieu est en train de dire pour elle, il le dit aussi pour toi. Amen. J'ai dit, il le dit aussi pour toi. Amen. Même si tu es entré ici pour la première fois, sache que c'est Dieu qui t'a invité ici pour que tu assistes à une visitation de Dieu. Amen. Là où tu es, alors que tu dis amen, que Dieu te visite. Amen. Que Dieu te visite. Amen. L'Esprit de Dieu m'a ramené en 2021. L'année passée, j'ai vu dans une église, on est en train de faire un service. Et du coup, le Saint-Esprit tombe fortement sur toi. Tu commences à parler en langue. Au point même que le culte est fini, tu ne t'es pas arrêté de parler en langue. Au point même qu'on t'a mis dans la voiture pour rentrer à la maison, tu étais toujours en train de parler en langue. Ça s'est passé à la porte des cieux l'année passée. C'est vrai? Père, avance, prophète. L'Esprit du Seigneur est en train de dire que tu as reçu une semence et Dieu t'a amené ici pour la formation. Car dans très peu de temps ici, il va y avoir une explosion. Et l'Esprit m'a dit, il va commencer à t'utiliser comme pas possible. Je vois la prophétesse Joanita Bynum. Oh my God. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise. Je te vois. Namonio. Ma ilekasom adeveria.
en train de suivre une vidéo où la prophétesse est en train de prêcher. Et pendant qu'elle prêche, tu sens comme si c'était toi qui étais en train de prêcher là-bas. C'est comme si c'était toi en devenir. L'Esprit du Seigneur, oh my God, tu étais en train de regarder la vidéo en Chili. C'est vrai. Laisse que la main de Dieu vienne sur quelqu'un ici. Amen. J'ai dit que la main de Dieu vienne sur quelqu'un ici. Ce matin, que l'Esprit de Dieu te localise. Amen. J'ai dit que l'Esprit de Dieu te localise. Amen. Écoute-moi, Vanessa. Garde ce que tu as reçu. Parce que le Seigneur me dit, vous êtes en train de pleurer la mort de votre père. Il laisse comme un grand vide. Mais seulement le vide qu'il a laissé. Il ne l'a pas laissé quand il est mort. Le vide qu'il a laissé, il l'a laissé depuis qu'il était vivant. Ah, père. Prophétise, père. Je ne sais pas. On dirait que tu ne veux pas que j'entre là-bas. Non, exact. Au fait, déjà, mes parents sont divorcés. Ça fait pas mal d'années. Papa est mort. Oui, il n'est pas vivant. Non, il n'est mais pas ils étaient déjà séparés avant. Déjà à toi, tu ne vivais pas avec ton père. Non. Avec ta mère. Ah, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Qui connaît ton Nzambe? Écoute-moi. Yokanga. Un homme peut t'abandonner. Mais sache qu'au ciel, il y a un Dieu qui ne pourra jamais t'abandonner. J'ai dit, il y a un Dieu qui ne pourra jamais t'abandonner. Un homme peut te décevoir. Mais il y a un Dieu au ciel qui ne peut jamais te décevoir. Écoute-moi. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu es une étoile qui accomplira de grandes choses sur cette terre des hommes. Et avant que nous arrivions en décembre de cette année, il va y avoir un déversement de l'Esprit sur toi. Et je vois les grâces prophétiques commencer à te manifester à une grande dimension. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit se saisisse à nouveau de toi et qu'il te fasse entrer dans les choses qu'il a prévues pour toi. Que le Saint-Esprit se saisisse sur quelqu'un ici. Amen. Que le Saint-Esprit descende sur quelqu'un. Amen. J'ai dit que le Saint-Esprit descende sur quelqu'un. Amen. Dis-moi un amen plus fort que j'ai entendu. Amen. Avance, prophète. Oh. Avance, prophète. Oh. Oh. C'est la première fois d'entrer ici? Non. Tu viens souvent? C'est la deuxième fois. Aller. La première fois, c'était quand? Le dimanche passé. Ah, tu es venu pour la première fois le dimanche passé. Oui. Wow. Wow. Hey. Princesse. Oui. Princesse. 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 Ce nom n'est pas qu'un simple nom. Dieu me dit que au ciel il t'appelle princesse car tu es précieuse devant lui. Tu es précieuse devant le Seigneur. Princesse, écoute-moi. Princesse, si seulement tu t'attacheras à Dieu, le Seigneur dit que par toi il enlèvera la honte de ta famille. Si seulement tu vas t'attacher à Dieu. Oh, avance, prophète. Donne-moi ta main. Seigneur, Nkolo, tu la connais. Oh, ébillé. Tu ne me permets pas de parler encore plus. Mais par cette fille, tu vas enlever la honte de sa famille. Tu vas enlever la honte de sa famille. Tu vas enlever la honte de sa famille. Regarde-moi, princesse. Toi, tu vas te marier. Et tu vas très bien te marier. Ce que j'ai dit aura un grand sens car pour toi, le mariage sera une grande victoire dans ta famille. J'ai vu une épée qui est en train de couper les alliances des gens. Et j'ai compris par là qu'il y a un sérieux combat des jeunes filles par rapport au mariage. Mais l'Esprit de Dieu t'appelle princesse. Garde-toi.
Attache-toi à Dieu. Si cette église est devenue la tienne, alors attache-toi. Et le Dieu que je sers va te distinguer. Je parle sur quelqu'un ici. Tous les combats liés au mariage dans ta famille, ce matin, que ces combats-là soient annulés. Je dis que ces combats-là soient annulés. Amen. Je ne sais pas ce qui est. Qui est concerné par cette parole, mais alors que tu es en train de dire un amen plus fort, que tous les combats liés au mariage s'arrêtent. Amen. Que tous les combats liés au mariage s'arrêtent. Amen. Que tous les combats liés au mariage s'arrêtent. Amen. Dans votre famille, les filles ne se marient pas, on les engrosse et c'est fini, on ne les épouse pas. Écoute, puisque tu es entré ici, ce combat-là vient de tomber ce matin. Non, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit le combat lié au mariage tombe aujourd'hui. Pumba. Pumba. C'est le nom de votre famille. Isa Kombo ali bota na bino. Isa Kombo famille na bino. Je suis en train de voir. Azana katia komona. Makala bas. Quelqu'un comme qui a touché une arme. Motoloko la simbi munduki. Il a touché une arme. Asimi munduki na maboko. Il a touché une arme. Asimi munduki na maboko. Avance père. Mahatola. Avance prophète. Ah. Ya solo. Ya solo zanil. Nazomana atana ndoto nazomana ka bazobondisanga kana munduki na munduki wow suka nazobondela lere nazobondela na botoli suko munduki wana natala mona lobi masa sezate na bando bondela na butu makasi ekona ke onponi dans le difficile il y a pas et ça ne soki 3 jours 3 jours vous savez que tout na munduki avec une arme azo kimisanga mbango pa en train de me poursuivre pour me tuer na nyango la famille. Qui dans ta famille reste soda. Oh. Avec mon mari ici, mon mari est un soda. Ovani Naka, non? Tu habites en France. Et voilà. Je suis en train de voir quelqu'un avec une arme. Avec une arme. Et l'esprit de Dieu est en train de me dire. Je ne suis pas encore en train de me dire. Mais on a son mona. Mais ce que je vois maintenant, je vis avec une arme. Mon douki, voilà, et ça m'a bali na yo. Aza soda. Ok? Nzamba lobi boe. Kende koye bisaye. Ke lolenge yo kota kiawa. Nzamba fungoli promotion na musala na ye. Nzamba ko visite ye. Bako matisaye krat. On va lui lever en krat. Je ne sais pas s'il y a un militaire ici, mais. Ah, on s'en va la grade à Batawa. Si Dieu a à fumer la grade, il y a comme on a essayé. Amen. Aussi ton grade au nom de Jésus. Mon Dieu. Avance, Père. Kalabaha Shavadia. Yes. Yes. Sambe. Dieu. Il me dit de te dire ne pleure pas, ne te lamente pas, parce que là où tu te lamentes beaucoup, si tu dis cette vie, je ne suis pas habitué à ça, si tu ne suis pas habitué à cette vie, c'est vrai. Yes. 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 Mais l'esprit est en train de dire apaisio victoire. Il t'a donné la victoire. Apaisio victoire. Il t'a donné la victoire. Likola bitumba. Sur le combat. Oye banai ko uta. Oteya. Nazomona. Je vois. Kasai. Le combat qui provenait du Kasai. Oye batakana ngazane. C'est occidental. Kasai occidental. Siko nazomona na mai. Dans le village moko, je vois dans un village, c'est bizarre. Ils assomment. Nous sommes retrouvés dans Katamboka, moko, parce que ben ngo mweka. On appelle mweka, exact mweka. Père. Avance père. Ezawapi. C'est dans cette province en question que vous dites. Mweka ezana. Mweka c'est au Kasai occidental. Kasai occidental. Côté na biso. Eza côté na bino. Mweka c'est exactement du côté. Bédé la Zambé maboko, Yesu. Avance père. Ah Yesu. Je ne sais pas si tu crois que non, non. C'est là. Hey maman. Attends, attends. Au côté en Maliboso, maman, tu entres ici. Maliboso Kotawa.
Tu connais quelqu'un ici? Tu as parlé de ta vie? Comment moi je le sais? Le bas Saint-Esprit Azawa. Le bas Saint-Esprit Azawa. Le bas Saint-Esprit Azawa. Quelqu'un qui est adressé pour la première fois. Zambe Azomona Makamunaye. Elingi Koloba Kenzamba Zanesika Oyo. Amen. Azomona peut avoir problème na yo. Amen. Azomona peut bitumba na yo. Amen. Soki amoni yango azopesa pe longa. Amen. Elobi azopesa pe longa. Amen. C'est la reste là, s'il te plaît. Je vais parler sur notre papa ici. Je ne sais pas, on dirait que nous avons un étranger dans l'église. C'est comme si elle était étrangère à ses yeux. Papa Dieu m'a envoyé pour te dire. Ozo sala sikoyo entreprise à gardinage yo moko. Tu vas bientôt faire ton entreprise. Entreprise à sécurité. L'entreprise de gardinage. De gardinage. Zamba lobi. En pension siko autorisation. Tu es dans l'autorisation. Pour osa la entreprise wana. Tu commandes. Na monyo ko sangisa ba jeune ebele. Ba jeune na bitumba. Ba jeune na jidoka. Ya ba liter. On va dire qu'on quatre bango. Pe ko sali entreprise. Ya gardinage. On t'avait mis dans le garage. Ma vanni sakio. On t'avait mis à si koyo yé moko décidé que hôtel est ma pour vendre ko sala musala. Eza bongo. Eza bongo. Ma pe misaki ngai mingi bazoki singa na musala. Yes, prophète. Ikolo yo. Jésus. Hey, Yesu. Ti kan samba visiter mutu moko wa. Amen. Yo oh kotia wa lelo. Yo ki entre ici. Zambe na kato sili sabitumba na yo. Amen. Sokolo bi amen ya bien comme la yo. Amen. Sokolo bi amen na nzoto binene yo comme la yo. Amen. Toi, je t'ai vu dans mon songe aujourd'hui. Lève-toi. Yo na mona ndoto na nga lelo. Je t'ai vu dans mon songe aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un qui avait les cheveux comme ça. La première fois que tu entres ici, souvent. Tu viens souvent. Mon Dieu. Avance, prophète. Dieu m'a montré, j'ai dit bien dans les songes. Aujourd'hui, pendant que je dormais, je t'ai vu dans les songes. Et je suis venu vers toi. Et je t'ai dit que Dieu a ouvert le chemin de l'Afrique du Sud pour toi. Dieu va t'ouvrir la porte. Tu vas aller en Afrique du Sud. Hey, avance, prophète. Hey. Est-ce qu'il y a le fils du prophète ici? Est-ce qu'on remet de l'ensemble ma bon côté la milolo? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Mettez l'encolo ma boko. Yes, ma casse. Yeah! Je rentre là-bas. La zone n'est pas étouba. Maman Yokanga. Maman, écoute-moi. Ne pleure plus. Ne t'inquiète plus. Par rapport à tes combats. Jésus-Christ t'aime. Christ et il a décidé de prendre soin de toi. Et il va élever ton mari. Ça va se passer de manière surnaturelle. Vraiment de manière surnaturelle. Parce que je le vois, il va devenir comme dans... on va l'affecter dans la garde d'une autorité. Et à partir de cette connexion, on va commencer à lui monter des crates. Et Dieu va changer complètement ta vie. Tel que tu es entré ici, c'est Dieu qui t'a invité pour te visiter. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que Dieu visite une personne en ces lieux. J'ai dit que Dieu visite une personne en ces lieux. J'ai dit que Dieu visite une personne en ces lieux. Si tu me dis un amen plus fort que le Seigneur te visite. Amen. Attendez. Ah, je ne sais pas. Vous allez moquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois continuer à prophétiser. Vous savez vraiment que Paulin on a trop luka azaa. Ah bon? Ouais. Yes, prophète. Bon, que Paulin azaa. Localise, Fada. Yeah. Il est ici. Au message atteint dans l'atmosphère à Bozo mitu na suri na kekuna. Tu n'es pas habitué à une telle atmosphère. Tu te dis si je pars là-bas. Qu'est-ce qui va m'arriver? Au moins, il y aura raté. Ah, comme ça, tu as raté.
Yes, Father. Yes, Father.